Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur AFK Arena. On se retrouve aujourd'hui sur mon compte secondaire sur le serveur S314 pour acheter dans la boutique, pour acheter Ezio. Donc là c'est les dernières heures pour pouvoir acheter Ezio en free to play. Et du coup je voulais le faire avec vous. N'oubliez pas de l'acheter si vous le voulez. Alors je vais utiliser ici les 40 000, ici les 20 000, et dans le labyrinthe les 180 000. Vous pouvez voir que je suis au taquet du labyrinthe, et du coup on achète Ezio, échangé pour 62 unités de pierre d'âme Ezio. Voilà, on va l'invoquer. Au passage, je peux récupérer quelques jetons du labyrinthe. Donc il nous restait 20 000 et là maintenant on a 27 900, donc c'est pas mal. Du coup on invoque Ezio. C'est mon troisième héros dimensionnel sur ce compte. J'avais déjà Arthur et Nakoruru. Arthur, il est associé à Brutus. Nakoruru à Baden. Et alors Ezio, je sais pas encore. Je pense à Belinda, mais j'ai pas encore vraiment arrêté mon choix. Ouais, je pense Belinda. Je vais regarder par rapport à mes compos. Donc là, j'ai mes 5 compos pour les héros d'Hesperia. Bon, il y a Belinda, mais du coup, ouais, je pourrais la remplacer. Ah bon, quoi qu'il en soit, je vais le faire. Je vais le synchroniser avec Belinda. Fusion d'âme. Hop. Et donc niveau 289, on va aller mettre en place son objet spécial. Voilà, on l'active. Alors son objet, compétence d'objet spécial, cible de l'assassin. Chaque fois qu'Ezio bat un ennemi, tous les ennemis portent des marqueurs seuil d'exécution, voit leur seuil augmenter de 50% pendant les 10 secondes suivantes. Cette compétence ne peut être cumulée. Du coup, on l'a débloqué. Alors pour l'instant, je vais pas l'utiliser, je vais le laisser comme il est. Vous pouvez voir que j'ai un petit peu avancé dans la campagne là, en étant 289, toujours sans étoiles sur mes héros. Je suis quand même monté en 29-26. Mais là, je pense qu'il faut que j'augmente mon cristal. Pourquoi? Parce que je suis trop souvent diamant 1 ou légende. On peut voir qu'encore hier, j'étais 39e légende. Et du coup, je gagne pas assez au niveau récompense. Je gagne 236 là en étant diamant 1. Et si j'étais diamant 1 au rang du dessus, bah je gagnerai plus. Donc on va augmenter un petit peu le cristal, ça va me permettre en plus après de pouvoir plus facilement augmenter dans la campagne. Je vais le faire avec vous. Allez, on augmente. Je sais pas si j'augmente seulement à 294 ou si j'augmente à 299. Je pense que je vais augmenter à 299. Je vous ai pas montré, mais du coup, vous avez sans doute aperçu très très rapidement tout à l'heure, j'étais, je crois, à 7300, ou alors quelque chose comme ça, 7500 peut-être, de points de combat. Vous pouvez voir, là, j'avais 2 milliards à utiliser quand même. On monte. Bon, normalement, j'ai largement assez de ressources pour monter 299.
Du coup, on va le faire. Ça va me permettre de bien avancer un peu partout. Et puis, je gagnerai plus de fioles dans le royaume distordu. Mine de rien, ça augmente quand même pas mal mes différentes formations. Ça va faire du bien dans le royaume des chiens, enfin dans l'arène en général. Hop, 299 et on va pas jusqu'à 300. On s'arrête là. 8,8 millions, voilà, c'est pas mal. Avant d'arrêter la vidéo, une petite dernière chose sur les rappels. Donc, si vous voulez acheter Ezio, du coup, c'est le moment, n'oubliez pas. Et enfin, pour Zafrael, Lucretia et Reyne, il reste plus que un peu plus d'une journée pour finir les épreuves. Et enfin, si vous voulez tester Zafrael et Lucretia, il reste aussi une journée. Ici, les idoles, n'oubliez pas de dépenser vos points donc en participant au vote. Ça vous permettra de récupérer des récompenses. Voilà. Bon, bah je vais arrêter là la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.